Nouveau dérapage antisémite au Venezuela, cette fois-ci à la télévision nationale. Lors d'une célèbre émission politique intitulée « Contre-attaque », le professeur argentin Saad Chedid s'est lancé dans une véritable diatribe anti-juive et négationniste. Il a d'abord décrit Théodore Herzl, perdutionnisme, comme une personne malade et paranoïaque, avant d'affirmer que la création d'Israël avait été le fait d'un compromis entre juifs et nazis. Évoquant ensuite l'Holocauste, le professeur Chedid a prétendu qu'il s'agissait d'une invention inspirée par l'idéologie juive. L'organisation Bnei Brit a vivement condamné ces déclarations antisémites, affirmant même que ces pratiques s'étaient marginalisées depuis que le président Hugo Chavez était au pouvoir.